Counselor? Yeah. Do a paragraph at a time. Good evening, honorable members of parliament from Africa, India, excellencies, senior officials from Government of India, past presidents of EMA, member of Executive Council, members of media, ladies and gentlemen. On behalf of EMA and myself, it's an honor to welcome you all this evening. I'd like to do that. Bonjour, député, honorable député de l'Afrique et de l'Inde, excellence, aux fonctionnaires, anciens présidents de l'EMA, membres de la presse, au nom de notre organisation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. EMA is indeed grateful to Public Diplomacy Division of Ministry of External Affairs, Government of India, to have given us this opportunity to host the visiting delegation from Africa. C'est un grand plaisir pour EMA de pouvoir accueillir la délégation de l'Afrique et nous sommes très reconnaissants au service de la diplomatie publique de nous avoir donné cette opportunité. India and Africa have great historic ties. Africa offers great opportunities in terms of development of infrastructure, especially power infrastructure. Various multilateral funding agencies like World Bank, IMF, African Development Bank, and our own Exim Bank of India have been offering and lending finance for various ongoing projects, including power sector infrastructure projects and power sector reforms in Africa. Donc l'Inde et l'Afrique ont des liens historiques et en Afrique il y a beaucoup d'opportunités pour le développement de l'infrastructure, surtout dans le domaine de l'électricité et diverses agences multilatérales comme la Banque mondiale, FMI, la Banque de développement africaine et la Exim Bank de l'Inde offrent le financement pour les divers projets dans le secteur de l'électricité. We understand from the trade figures that the outlay for power sector infrastructure and development and power reforms in Africa of approximately $90 billion per annum. D'après les statistiques qui nous ont été données, les chiffres pour le volume que représente le secteur de l'électricité en Afrique, c'est 90 milliards de dollars. We, as an association of Indian electrical and electronic manufacturers of India, have been actively involved in development of power sector in Africa for the past two decades. Government of India has extended various line of credit to the tune of about $5.2 billion in the last 10 years. The market share of Indian electrical products and services in Africa is about $2.5 billion. Donc notre association, c'est l'association fêtière des fabricants de matériel électrique et électronique et nous avons une présence en Afrique depuis deux décennies. Le gouvernement de l'Inde a offert diverses lignes de crédit dans la valeur de 5,2 milliards de dollars sur une période de 10 ans et notre part du marché, la part des produits indiens en Afrique représente 2,5 milliards de dollars. Now let me take this opportunity of showing you a brief presentation on Electrama 2014, which is the mega brand event of Indian Electrical and Electronic Manufacturers Association. This is a biennial event and we are going to have our 11th edition of world class, the largest T&D exhibition happening in Bangalore, which is the IT hub of India and the third largest industrial city, from January 8th to 12th 2014. Which is also known as the Silicon Valley of India. Donc, je vais profiter de cette occasion pour vous donner une présentation sur Electrama 2014, qui est notre événement vedette de marque de notre association. C'est la 11e édition. C'est un grand salon électronique qui aura lieu à Bangalore, le Silicon Valley de l'Inde, troisième ville industrielle. Et cette exposition aura lieu entre le janvier 8 et janvier 12 2014. India and Africa, the new world. You see, India and Africa are the fourth largest trade partners. India's investment exceeded over $35 billion in 2011. Bilateral trade
is estimated to touch $100 billion by 2015. India has extended 150 lines of credit worth $5.2 billion to African countries. The Indian industry annual share in African power equipment is approximately $2.5 billion. Donc l'Inde est le quatrième partenaire commercial de l'Afrique. Les investissements de l'Inde en Afrique dépassent 35 milliards de dollars en 2011. Le commerce bilatéral sera de l'ordre de 100 milliards d'ici 2015. Et l'Inde a offert 150 lignes de crédit dont la valeur est 5,2 milliards de dollars aux pays africains. L'industrie indienne, sa part dans l'équipement électrique en Afrique est approximativement 2,5 milliards de dollars. You see, India can offer very vibrant solutions for electrifying Africa. We have facilities for rural electrification, robust solution for remote electrification and monitoring of power distribution, modernization of your existing power setup, existing power plants which can enhance their capacity and cater to much more citizens and countrymen of Africa. We can also offer you conventional technologies to upgrade your thermal and hydro plants. We have great renewable technology where we offer you non-fossil technology, wind energy, solar, as well as opportunities for geothermal. We can also offer you smart grid metering systems where the distribution load actually can be monitored through computers and through the data center from the headquarters of the opportunity. The total business opportunity for Indian power sector as a whole and for Africa is about $93 billion per annum. Donc l'Inde peut offrir diverses solutions pour l'électrification, y compris l'électrification rurale, aussi les solutions pour les sites lointains. Nous avons des solutions conventionnelles pour améliorer les installations d'électricité thermique, hydroélectrique. Beaucoup de choses pour l'énergie renouvelable également, par exemple l'énergie solaire, éolienne. Nous pouvons offrir la modernisation des réseaux et aussi des réseaux intelligents où on peut contrôler de loin le réseau avec des bases de données et l'informatisation. Donc les opportunités représentent 93 milliards de dollars. India and the new world because as the right technology for the right price. India ranks second in manufacturing competitiveness. India has 30% of world engineers. Indian MNCs made strategic global acquisitions worth $30.9 billion in 2010 overseas, including some of the top electrical manufacturing companies today are owned by Indian companies. Every fourth new global workforce will be an Indian. 150 plus multinational captive research and development centers are operating in India at the moment. Donc l'Inde est le nouvel ordre mondial, nous offrons la bonne technologie au bon prix et l'Inde est le deuxième en ce qui concerne la compétitivité dans le domaine manufacturier. L'Inde a 30% des ingénieurs du monde et les sociétés multinationales indiennes ont fait des acquisitions en Afrique dont la valeur est de 31,9 milliards. Ça représente les plus grandes sociétés électriques en Afrique. Et de toute la main-d'œuvre du monde, sur 4 personnes, un est indien. Et nous avons également en Inde des centres de recherche, grand nombre de centres de recherche et des sociétés nationales captives. You see, India is the right partner for Africa in terms of electrifying the entire subcontinent because we have sectoral knowledge sharing with Indian utilities. A lot of engineers from various power utilities all over Africa have been coming to India for quite some time now, getting trained. They are actually being even trained to manage, you know, the load dispatch centers and how to control their T&D losses. We also undertake training and manpower support services. And also, the biggest opportunity today is, and I would really appreciate the work of the ambassadors, especially the African ambassadors who have been in India, that they have been promoting not only supply of goods and services, but also talking about technology transfer possibilities and joint venture in Africa for the power sector.
Donc, l'un des bons partenaires pour l'Afrique, les ingénieurs africains viennent souvent en Inde pour la formation et nous offrons tout le soutien pour le personnel. Et la plus grande opportunité, et je dois remercier tous les ambassadeurs de l'Afrique présents ici, à part les échanges dans le domaine de biens et de services, nous avons également essayé d'assurer le transfert de technologies et les co-entreprises en Afrique. And many of the Indian companies have already gone forward and forged alliances with manufacturers in Africa and setting up plants for transformers, switchgears, insulators, cables, conductors.